On se retrouve sur Stalker. On est près des entrepôts de l'armée. D'ailleurs, on va devoir aller rendre une petite visite à la Liberté pour s'acheter des munitions. Et possiblement pour avoir quelques missions. Ouais, non. À chaque fois, tu me demandes des trucs de malade, toi. Tu me dois une allumette. J'oublie pas. Bref, on va s'éloigner un petit peu des mecs du devoir parce que justement ils sont pas trop potes avec les mecs de la liberté. C'est un petit peu la gauche contre la droite, mais version guerre civile. Donc là, on va rendre visite aux gauchistes après avoir visité les droitards. Hop. On a plein de trucs dans mon sac. Possiblement, j'essaierai d'aller vendre ce que j'ai. Alors fais attention sur le chemin. Il peut y avoir des mecs passe à pas et il peut y avoir des mutants tout aussi antipathiques. Ok, on dirait que le devoir a un sacré pétataire dans le coin. C'est rare quand même qu'il pousse aussi vite là et là quoi. C'est-à-dire que la liberté s'est fait botter les fesses en quelques instants à peine. Je suis pas certain que les tensions se soient initialisées avant même d'avoir mis les pieds pour la première fois dans cette zone-ci. Je peux peut-être me tromper, mais à mon avis, le jeu a voulu favoriser le devoir par rapport à la liberté. Ici, il y a des radiations. Cours. Aïe. C'est chiant. On prend ça. Et là aussi, il y a des mecs du devoir. Mais quoi, c'est le devoir qui a pris la... C'est vous qui avez pris la base, là? Allez, avec un peu de chance, je pourrais récupérer de l'argent facilement. Mais je me vois mal commencer à courir pour... pour ça. Elle a encore un petit peu d'eau. On va pisser ses radiations. Bon, il y a de grandes chances que le mec avec qui j'ai pris la mission là va mourir avant même que le groupe de mutants ne meure, mais bon. On va quand même tester ça. Voilà, là c'est la liberté. Ok, voilà. Bon, alors leur chef est dans ce bâtiment là, mais moi je vais aller checker directement le commerçant principal, et le médecin se trouve de l'autre côté par là-bas, dans un des dortoirs. Et là, c'est lui qui m'intéresse. Pas de chien, non. Non. Forêt rouge, hors de question. C'est peut-être juste à côté, mais c'est super. C'est un endroit dangereux, la forêt rouge. Tant que j'ai pas un équipement capable de rivaliser avec les stalkers les plus vétérans, je ne vais pas là-bas. J'ai vu comment je me fais défoncer ici. Hors de question que j'aille plus au nord. Alors, ah, t'achètes des trucs. Ça, je te le vends. Je l'achète pas très cher. J'avoue, celui-là, j'ai peut-être presque envie de le garder. On voit qu'il était amélioré. Je vais le garder. Ici. Ouais, bah, je vais pas te vendre celui qui est bien. En plus, vu le prix que tu l'achètes, je vais le garder. Ça, je vends. Enfin que non, ça sera peut-être utile pour une mission. Je vais garder au moins un exemplaire d'une boîte à bijoux pour plus tard. Mais si je tombe sur d'autres, je les vendrai. Tout simplement. Ouais. Je pense pas trop vendre des trucs, hein.
Me sera utile plus tard, tout ça. Tu vends une passe ou pas, toi? Il y a un mécano de l'autre côté, possiblement c'est là qu'il faudra aller pour se procurer une pince. Alors, niveau munitions, c'est pour ça que je suis là. Ah, t'es quand même assez cher au niveau des cartouches. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tes munitions faites-main pour le fusil à pompe en espérant que ce soit là. Dans ce modpack. Et j'ai pas la pression. Donc là, c'est les versions industrielles, mais normalement, si on regarde ici, il devrait y avoir d'autres types de munitions. Et on dirait que ce n'est pas le cas dans. Dans Gamma. Ça s'harmonie quand même pas mal. C'est-à-dire que je suis dépendant des munitions quasiment du boucher. Ouais. Ça c'est très embêtant. Un compteur GGR. Ouais, faudra que je m'en procure un, mais là j'ai envie de faire un petit peu plus d'économie ou que je pourrais acheter peut-être une meilleure arme PVP. Contre les. Enfin PVP, contre les stalkers. Ce sont des IA, mais voilà, contre d'autres personnes. Bon. Je suis déçu. Ah, finalement, je devrais peut-être rejoindre le devoir et vous défoncer la gueule. Hein. Le seul attaque que vous aviez pour moi, vous l'avez plus. Si on est sur l'intérêt d'avoir possiblement de l'emploi. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hey, stalker, чем пожаловал? Ah, ça va, mec, t'as du travail pour moi. Combien tu prends pour 2 jours? Bon, ça va, t'es pas cher, mais tu vas te faire tirer dessus par tous les mecs du devoir, donc ça m'intéresse pas de t'embaucher. Et t'as rien à me proposer. Bah, moi, j'ai rien non plus à te proposer. Et toi, ça va? Local en plastique? Je crois que j'en ai en stock, ouais. je t'amènerai ça quand je repasse mon coin. Je sais pas ce que j'en ai stocké dans le casier, dans le bar. Voilà, ça m'intéresse, 4800, ça je prends par contre. Et si possible, combien ça coûte? Oh, c'est cher. On peut pas faire un effort sur... Non. On est en train de se battre, hein. Enfin, c'est pas le mec qui m'a donné la mission avec un autre mec de la liberté, mais bon. Possiblement ils vont se faire becter par des pseudo-chiens. Alors j'ai quoi ici? Ça je peux utiliser. Plus 8%, ok. Si j'utilise ça, je passe à plus 1%, plus 2%. Ce qui m'amènerait à du 10%, non? Donc je retombe à 2 dans le 9. Ok, hop, 99. Bah, c'est fait ou pas? Ah, là que c'est fait. Parfait. Autant rafistoler tout ça maintenant avant que ce soit trop tard. Parce que certains outils ne peuvent pas être utilisés en dessous d'une certaine condition de l'arme. Là par exemple je peux pas l'utiliser parce qu'il faut être au moins à 60% pour pouvoir l'utiliser. Là il est à 58%. Et le problème c'est qu'il y a l'état de l'arme générale, comme on peut voir ici 58%, mais surtout l'état de chaque composant qu'on peut voir ici en bas de l'écran description. C'est-à-dire que là je peux avoir une arme à 100% là, le canon est usé, j'ai l'amorce ici qui est à 13% je crois et il sert à rien, donc il y a quand même de grandes chances qu'il s'enraye très facilement. Donc là, il faut vraiment que je trouve un moyen de pouvoir remplacer les pièces si je veux utiliser cet AKU de manière correcte. Mais c'est plus simple pour moi d'acheter une nouvelle arme et d'entretenir cette nouvelle arme que de rafistoler ceci, surtout en début de partie. Par contre, ce que je peux faire, c'est démonter ça. Et donc j'ai une pince. Parfait. Alors tout ce qui est dégueulasse, je te le refile hein, pour le peu que tu veuilles bien les prendre. Donc ça c'est trop peu, ça je garde. Tac. Ça je te donne. Ça je donne également. Ça je te file. Oh, ça vaut cher les bateaux lumineux.
Je vais les revendre. Je sais pas si je les ai depuis le début ou si je les ai lootés. Vu ce que ça me rapporte, je préfère vendre. Hop, un petit peu d'argent. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Ah, t'as ça? Attends. Est-ce que je peux sauvegarder là ou pas? Je vous avoue qu'il faut que je me remémore un petit peu le système de craft, de réparation et compagnie. Possiblement, je dois utiliser l'atelier du mec. Et je peux changer la pièce R ici. C'est quasiment 6000 balles. Hein. Alors, comment ça fonctionne? Voilà, ça je retire. Donc voilà, on a les deux pièces. Ah, ça a été simplifié. Dans certains modes pack, il faut utiliser l'atelier et compagnie. Là, c'est pas le cas. Voilà, donc là, ici, on a une pièce neuve. Donc déjà, la pièce qui était cassée dans le fusil, elle est réparée. Et elle est neuve. Le canon de 5,45, j'avoue que je serais tenté, si possible. Et si c'est ça, je vais tester. Hein. Je teste des trucs. Ah, c'est pas ça que je voulais, tant pis. Alors, tirer une pièce. Ah, je peux pas virer le canon. Directement là je suis un petit peu embêté. Ça je peux pas utiliser la lime parce que j'ai pas de pièces qui soient dans assez bon état pour ce genre de truc. Faut que ce soit 25% je pense. Là c'est 13 par exemple, ça marche pas. Et ça ça n'a pas l'air d'être utilisable pour ce genre de choses. Est-ce que là je dois utiliser ton atelier? Ah, je peux utiliser sans payer. Ah ouais, d'accord. Ouais, ils ont quand même simplifié certains trucs par rapport justement à... la mécanique du jeu. J'ai genre même mon casque. D'où le petit bruit. Est-ce que je peux... Alors ça, par exemple. Ça, je peux améliorer mes trucs moi-même. Et comment est-ce que je récupère... ceci là, j'aimerais le dégager le canon, je sais pas comment je dois faire. Ça c'est un mystère par exemple. Ouais, favorite part, ouais ok, ça sert à rien. Comment je fais? De toute façon, j'aurais pas pu l'utiliser. Bon, je vais recharger. Je vais pas changer la pièce qui était pétée. Mais je vous avoue pas savoir comment changer le canon, comment le remplacer. C'est bien gentil d'avoir simplifié certaines choses, mais de l'autre côté, après, je sais pas quoi faire. Donc, malheureusement, cette AKU, je vais la laisser tranquille de ce côté-là. Elle me sera utile le temps de faire un petit peu d'argent pour acheter possiblement une autre arme en 5,45. Mais là. On va la laisser dans cet état-là, on va la laisser dans son jus. Bonjour messieurs, alors c'est que des troupes d'élite là, c'est littéralement des gardes du chef. Match du monolithe, je n'ai pas encore combattu de mec du monolithe, mais je reviendrai quand j'en aurai. Que dalle. Alors ça c'est le chef de la liberté, le cash. Mais attendez, j'ai coupé les sons des radios. Et elle me sort une... Là, c'est une vidéo qui est... C'est une musique qui a des droits d'auteur. Oh,
Ah mais c'est chaud là par contre. Blablabla. Je suis désolé de faire ça, mais là le jeu me l'oblige. Non, je fais pas ça, je fais pas ça. Élimine la monolithe, je veux bien. Forêt rouge, je m'en occuperai plus tard. Blablabla. Autre chose, ça j'ai pas. Un mec qui se cache parmi les militaires de la vallée obscure, pourquoi pas, mais non. Éliminer un détachement de la dans la forêt rouge du monolithe, pourquoi pas. On fera ça plus tard. Blablabla. Les explosifs, on fera ça plus tard. Ok, au revoir. La musique là, elle me casse les pieds. Comment ça se fait qu'on l'entende? Alors que c'est censé être coupé. Est-ce qu'il y a déjà YouTube qui me casse les pieds pour une musique de fond sonore où ça fait... On va me casser les fouilles pour ça. Hein. Je le connais. Oh là là, quel enfer. Oh bah, si y a un segment de la vidéo qui a coupé, c'est à cause des droits d'auteur. Bien, le médecin. Alors, qu'est-ce que tu proposes, à quel prix? Oh, c'est la même chose que chez le devoir, hein. C'est ça, 3000, c'est ça, c'est la même chose. Rien de fou. Ça coûte combien ça? Quoi? C'est si cher? Waouh, mais c'est tellement de la honte des tarifs. Honte à vous, et tu me le rachètes 6 roubles le café. Et tu le revends combien? 120. Ah ouais, c'est... Il faut que je remodifie encore un petit peu les... les tarifs là sur le jeu, parce que ça me paraît un petit peu exagéré quand même. Ça me paraît un petit peu pété. Bon, on se casse de là. Bon, la plupart des missions que j'ai pu récupérer, je vais pas les faire. Hein. On va pas se le cacher, j'ai pas le niveau. Là, j'ai retourné vers le sud, histoire de me refaire un petit peu d'argent. Je vais essayer d'aller à la prairie, enfin éliminer justement les bandits pour récupérer l'équipe Antidorovitch. Là, il y a des mecs du devoir. Donc là, le devoir est en train d'assiéger littéralement la base de la liberté. Ça va le siège? Là, je peux avancer et sortir, vous m'arrêtez pas, quoi. Ça assiège à moitié, si je veux, je peux aller ravitailler les mecs. Ah, tu peux me donner plusieurs travers en même temps, pour le peu que j'ai accepté la première mission. D'accord. Bon, dans tous les cas de figure, moi je me casse. J'espère ne pas encore tomber dans une vague de radiation. Ce serait un petit peu embêtant. Et papa sève. Pourtant, on avait vu deux mecs de la liberté dans le village. Hein. C'est bizarre que eux soient isolés. Sachant que la route est totalement sous le contrôle du devoir. Sans la moindre hésitation, les mecs ont pris le contrôle et ils ne sont pas prêts de le lâcher. Bon, ici ça devrait être tranquille, sinon on aurait déjà dû combattre. Mais là, le devoir assure une certaine protection, donc j'avance, je me prends pas la tête. Je ne couperai pas la musique. Faut juste éviter les radiations et les anomalies et ça devrait bien se passer. Et là... Allez, vas-y. Ça aurait été trop bien d'avoir de l'endurance jusqu'au bout. Allez, hop. On repart au niveau du bar. Bar qui, j'ai remarqué, fait bugger les vidéos malheureusement quand je tourne littéralement dans le rat de sang. Ça bug. Alors il faut voir que ces bugs visuels là étaient présents sur toutes les séquences de gameplay au départ. Dans les saccades, ça rame, puis était ralenti, puis ça fait en avant-arrière, c'est très très bizarre. J'ai stabilisé ce problème là en bloquant le nombre de FPS à 60, ni plus ni moins. Ça a résolu une grosse partie du problème, mais il semblerait que dans le rat de sang ce ne soit pas le cas. Et donc j'ai peur que dans d'autres zones potentiellement du jeu, ce soit pareil. C'est vraiment ma grosse hantise. Hein. Le jeu est très très capricieux à être capturé. Bon. On a des gros cochons qui prennent la zone. Alors comme ça tu me charges. Tu me charges gros pépère. Et ils vont se faire tuer par les mecs du devoir derrière. Allez, toi. Je prends ton gras. Alors, on n'oublie pas. Ici, il y a une saloperie qui nous agrippe à 150 mètres de distance. Hein.
les gros cochons. Ont atteint la zone, ils viennent vers moi. Lui, je l'ai eu, il est à moi. Ah bon, celui-là pour le coup, il est à vous. Non, non, c'est à moi ça, pas touche. Je prends son gras. Bonjour monsieur, avez-vous du travail pour moi? Je suis un stalker sous-qualifié. Des maths zombies. Ouais, pourquoi pas, j'accepte. J'ai tout doucement commencé à prendre des commandes de morceaux de buton. Pour le peu que ce ne soit pas des trucs trop violents. D'habitude, je fais ça quand j'ai déjà un stock. Mais là, comme je vends tout, voilà. Mais là, tout doucement, on va essayer de se faire un maximum de profit comme ceci. T'as travaillé pour moi, toi ou pas? Toujours pas. Il avait l'air super menaçant. Hein. Ah, des pages de renégats, ils sont pas très nombreux les renégats, même les bandits n'en veulent pas. Les renégats, c'est une faction, enfin une sous-faction qui est tellement salopardes que même les bandits eux-mêmes les ont reniés tellement que c'est des salopards. Généralement, on les trouve au niveau des grands marais. Mais il arrive parfois qu'on en tombe, qu'on tombe sur l'un ou l'autre dans d'autres zones du jeu. Bien, alors est-ce que j'ai des trucs à valider ici? Non, possiblement je vais racheter de la flotte. Ah si, je dois valider des fonds de restock, effectivement. Je vais racheter de la flotte au niveau du rat de sang. Au niveau de l'heure, il est quelle heure là? 20h, la nuit va tomber. Maintenant, je ne pense pas que mon cher stalker ait envie de dormir maintenant, il est un petit peu capricieux. On retourne dans le bar qui fait tout bugger. Moi j'ai aucun problème, hein, mais c'est vraiment vous au niveau de la vidéo qui a des soucis. Ça s'autorise peut-être un petit peu. Mais voilà. T'as travail à me faire faire ou pas? Non, que dalle. Même pas une nouvelle horde de mutants à éliminer. Ah, c'est bien, on a un petit logo pour l'émission aussi qui apparaît. Ah, c'est nouveau ça. Bon, il faudrait de la flotte. Là, je prends. Et si possible, un petit peu de vodka. Ah, c'est pas cher, je prends. Parfait. Merci. Au niveau de la bouffe, je pense que je vais. J'ai du Tushonka. J'ai quelques planques avec de la bouffe, j'ai un numéro. Donc ça va. Niveau bouffe, ça va, j'ai pas besoin de plus. Et les allumettes, c'est combien? 800 pour 5 allumettes. Ah, ça va, j'en ai encore 7, ça devrait suffire. Y a-t-il du travail ici? Et quoi, tu montes plus la gare, toi, tu restes éternellement en train de boire des shots que de hurleurs. Ouais, bon, ça, je vais pas prendre de commande. Le hurleur, c'est justement la saloperie qui ressemble fort à celle de Metro 2033. Et je peux éviter de tomber dessus, j'évite. Je n'irai pas chercher la bagarre avec eux volontairement. Et toi, tu veux quoi? Même chose. On verra ça plus tard. Je vais aller valider ma quête du côté du major du devoir. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que la journée passe un petit peu plus pour aller dormir? Ou est-ce que je prends le risque de sortir d'un peu plus progresser et d'aller dormir ailleurs? Je peux toujours essayer d'atteindre le hangar du boucher. D'ailleurs, c'est vrai. Hop, hop, hop. Vu que je dois livrer des maths zombies là, avant de faire une bêtise, je vais les stocker ici. Voilà. On va pas que j'oublie que c'est là que je les ai placés. Ça, je les vendrai pas au boucher par inadvertance. Bonjour, colonel Petrenko. Je pensais que vous étiez major, mais non, vous êtes colonel. Voilà, un petit peu d'argent, ça fait plaisir. As-tu autre chose à me donner? Ça, je prends pas. Ça non plus. Non plus. Bon, toi t'achètes pas d'armes. Ou alors il faut qu'elles soient dans le meilleur état que ça. Dégâts 198. Dégâts 198. Donc c'est vert par rapport à ça en fait. Pas par rapport à ça, parce que sinon ce serait pareil.
Alors j'ai économisé mon argent, de toute façon, le boucher va bientôt de nouveau avoir des munitions proposées. Ah, t'as arrêté de picoler, c'est bien, tu reprends ton position de garde. C'est bien, vous voyez quand même les mecs qui font leur petite routine. Alors eux sont affectés directement à Rostock, hein. C'est ici Rostock. Donc généralement ils vont pas partir de Rostock, mais vous allez voir des structures qui se battent dans la zone, qui vont venir s'installer ici pendant quelques jours puis repartir. C'est vraiment très très bien fait. Bon, ça change un petit peu d'un mode pack à l'autre. Possiblement ça marche pas de la même manière ici. Normalement ça devrait. Donc c'est un petit peu la base justement de système d'IA du jeu. Alors. Y a-t-il des petits loupards qui traînent? Ça ne m'étonnerait pas. Protéger les mecs. Hein. Ok, confirmation des ennemis, pas des monstres. Je vous aide depuis là-haut. Bah, j'essaye. Hein. Vous comprenez que c'était compliqué de rester sous la vieille tour ruinée. J'ai plus d'endurance. J'ai raté. Je vais t'aider mec, hein, j'essaye. Ok, il l'a eu. C'est vrai que je me rends compte que j'ai oublié de dropper mon matos, mes armes et compagnie. Voilà. Alors ça donne quoi au niveau de la bouffe? J'ai faim. C'est pas grave, tu mangeras plus tard. Dommage. Allez, on s'ouvre un petit peu direction le hangar de la décharge. J'ai profité pour voir si au marché aux puces ils ont pas fait l'échange de marchands. En passant en marchand de nuit. Ou alors c'est peut-être trop tôt. Comme j'avais déjà dit, bon, il y a rarement des trucs intéressants sur cette version du jeu. Avec les marchands de nuit. Contrairement à ce que c'était avec Clear Sky. Mais je peux toujours quand même tester. Allez hop. Ah ça change de parler de voyage rapide tout le temps. Ça c'est des jeux anciens. Pourtant il y a un système de voyage rapide, mais il est payant. Il faut trouver les guides. Donc finalement, c'est peut-être plus chiant d'employer les guides que de se déplacer soi-même. Mais bon, de temps en temps qu'on a pas d'argent, on peut se le permettre. Mais le système est quand même beaucoup plus limité sur Gamma que ce qu'on peut avoir dans Anomalie de base. Alors, attention à ne pas marcher. Là, ça se bastonne. Ça se bastonne, ça se bastonne. Allume-moi cette saloperie. Bah c'est quoi? Ah, y'a un bandit qui s'est infiltré. Oh non! Oh, y'a un mec du devoir qui s'est fait abattre par le bandit. Ah, je prends tout, hein. Oh purée! Ah, les mecs, ils vous ont maltraité. Ne me dites pas qu'il était seul quand même. Un petit peu la honte. À deux morts, quoi. Oh, l'embuscade suicidaire d'un bandit beaucoup trop greedy. Je sais pas trop ce qu'il espérait, ce bandit-là, de se retrouver comme ça tout seul, mais bon. Pas d'autres cadavres, donc à mon avis avec eux. Bon, au moins ils ont la gentillesse de me laisser piller le cadavre de leur pote. C'est pas toujours le cas, hein. Parfois dans le mode qui empêche comme ça de pouvoir looter ce qui a été tué par quelqu'un d'autre. On pouvait pas non plus looter les corps des mecs faisant partie d'un groupe. Mais ses compagnons ne nous laissaient pas le looter.
Hop, ça je démonte. Ça, cette saloperie qui nous a fait chier depuis tellement longtemps, je le démonte. Plein de trucs qui servent à rien. Ça, ça va là. On verra ça plus tard. Ça, ça démonte. Voilà. Ça, je sais pas trop quoi faire. On met ça là. Je verrai ça plus tard. Voilà. Ça, c'est super lourd. Ça dégage également. Voilà. Les mumus, ça me sert à rien là. Ça, je garde. Il va te calmer le mec à droite. Là, je suis juste en train de ranger mes affaires. Le charbon sera bien pour cuisiner. Mais là, j'ai pas envie de cuisiner des trucs. J'ai assez de nourriture. Ça va, oui. Et ils me stressent, les mecs. Ouais, je pense que le reste, on peut laisser. Vérifie quand même deux fois. Vaut mieux vérifier deux fois mieux qu'une. Je sais plus comment on dit. Ah, si j'ai. Ça, hop. Pas grand chose, mais voilà. Une petite cigarette en réserve. Et le mec s'est barré. Donc il y a effectivement le changement de marchand. Est-ce que c'est toi là? Ah, c'est lui. C'est lui celui-là. Alors qu'est-ce que tu proposes? Alors ça, j'aurais besoin de ça pour Hip. Si je veux la recruter. Donc ça me coûtera quand même. Oh là là. Bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est mieux que ce que j'ai, ce truc-là. C'est le même prix que ce fusil. Bah, c'est pas non plus pour tout de suite. Ah, on a des artefacts, et les artefacts ont une un état. Ok. Ah, je peux acheter un meilleur détecteur. Appareil de mesure des anomalies, qu'est-ce que c'est que ça? Le premier prototype a été connu en 2008 sous la supervision du professeur Sakharov dans le laboratoire mobile de Yantar. D'autres copies ont été faites après avoir prouvé leur succès dans des domaines d'études. Cet appareil est capable de prendre et d'enregistrer des mesures de champs normaux, le cadre et le capteur amélioré garantissent un fonctionnement même dans les environnements hostiles. La haute sensibilité permet l'acquisition ou pendant le suivi permet une utilisation dans de nombreux environnements différents et dans des conditions de fonctionnement les plus difficiles. J'ai rien compris. Est-ce que ça me permettrait de voir dans un champ d'anomalie où se trouvent les anomalies? Bon, ça coûte pas non plus super cher, donc je vais m'améliorer un petit peu tout ce bazar là. Donc j'achète un nouveau détecteur, celui-là comme ça on pourra le dégager. Et comme ça j'aurai un détecteur ours, ça c'est pas mal. Ici je peux racheter des munitions, c'est parfait. Ici je sais que c'est moins cher, donc je prends également. Ça je prends. Au niveau de la bouffe, ça a peut-être un petit peu augmenté. Ouais, c'est ton pote qui vend ça moins cher il me semble, là, c'est ça? Ouais, là, ça m'a l'air un petit peu cher. Hein. Ça m'a l'air un petit peu cher. On va éviter. Ah, par contre, le Toast 34 coûte moins cher. J'aurais dû l'acheter ici. Au lieu de coûter 13 000 et dès, il coûte moins de 12 000. 14 000 pour avoir une MP5. Non, je préférerais avoir du calibre de guerre contre... contre les autres stalkers. Donc je vais rester sur cet AKU. Non, c'est une AKS. On va rester là-dessus. Ok, bon, je paye. Ah ouais, non, c'est trop cher. Bon bah, je paye tout. Voilà. J'ai plus d'argent, mais au moins j'ai augmenté un petit peu mon matos. Je retire les piles de ce truc-là, bien entendu. Alors, j'aimerais savoir à quoi ça sert, ce truc-là. Ah ouais, calmez-vous un petit peu. Ça peut être de réagir beaucoup. Est-ce que tu m'aurais vendu un truc qui marche pas? Je vais voir plus près des anomalies si c'est réagi. Il est pété le cousin. Elle marche pas leur pile là, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ça sert à rien du tout. Tu m'as arnaqué, salopard. Tu m'as vendu une boîte qui sert à rien. C'est une vieille Game Boy, là. Oh non, mais la blague. Oh, ça sert à rien du tout. Hein. C'est vraiment la misère.
Est-ce qu'il y a une touche pour l'allumer? Je ne sais pas. Alors par contre, top. C'est la nuit, c'est dangereux. Je coupe la musique et j'écoute. Alors on entend déjà un grognement, là c'est mon ventre. Il y a du mouvement là-bas, mais je sais pas si c'est des mutants ou si c'est des anomalies. Là il y a un mutant là. J'ai vraiment, vraiment pas quoi faire avec le détecteur que j'ai acheté. Va falloir que j'aille checker sur internet à quoi ça sert ce truc. Sinon je me serais bien fait enfler. Bah, ils sont en train de partir. Encore complètement vide ici. Il y a personne, hein, pas de chance. Alors, j'irai rien à stocker, semblerait-il. Donc je vais garder tout ça. Ça, je peux à la limite stocker ça là. Oh bah tiens. Ah bah bonjour camarade. Je m'attendais pas à ce que je vois Stonker faire des courses avec le boucher. Comment tu vas? Tu proposes quoi comme Ok, ils sont pas disponibles. Ouais, il est pas causant. Hein. Tant pis pour. Je passe devant toi. Hein. Tu me permets. Voilà. Ok, on va faire cette petite mission de chasse. Ça fera toujours de l'argent en plus. Ça non. Ok. Alors. Un petit peu d'argent, pas grand chose. Encore ça. Est-ce que tu as des munitions à vendre? Pas encore. Tant pis. Bon. Je vais aller dormir. Et au petit matin, on ira chasser le gibier. Parfait, je peux dormir. C'est parti! On avait été des missions juste à temps. Ah, et la mission était un succès, celle qui servait à éliminer les mutants. Voilà. Pour une fois, le fait d'avoir dormi a permis de nettoyer un petit peu la zone. Oh! What? Je pensais l'avoir fait cette mission. Oh là là, mais... Regardez-moi comme cette nuit, il s'est passé beaucoup de choses cette nuit. Beaucoup de choses. Voilà comment on se fait du fric sans prendre le moindre risque. Est-ce que tu as reçu des munitions entre temps? Ouah, de l'argent gratos, ça fait plaisir. Alors, il ne me redemande pas encore d'aller chasser autre chose. Je pourrais acheter un meilleur couteau. C'est lequel que j'ai? J'ai le NR40. Donc c'est celui-là. Ouais, j'aurais un couteau de chasse, ça irait peut-être un poil mieux. Mais c'est pas spécialement urgent. Ok, les munitions, ça donne quoi? Ça donne que... Ah, t'as reçu ton chargement, parfait. Oh là, avec l'argent gratuit, en plus je peux reprendre 50 cartouches. Ça fait plaisir. Comme ça, j'ai combien de balles là? 85, ça va. Je suis prêt à me battre. Je n'ai plus à surveiller mes munitions. Là, je pense que durant le prochain chargement de ravitaillement pour lui, j'aurai encore des munitions. Donc ça, c'est parfait. Bien, alors on connaît l'itinéraire. Hein. La vidéo risque de durer un peu plus longtemps que prévu. Oh. C'est vrai qu'il va demander d'aller chercher ça. Alors, je vais pas le faire maintenant. Moi, j'avais prévu de faire autre chose. Je crois que c'est vrai que je peux faire ça. Alors moi ce que j'avais prévu c'est de passer par là. Aller dans la vallée obscure. Ok.
Il y a des trucs là-bas. Essaie de choper la planque. Non. Et ensuite revenir. Qui se bat là-bas, j'aimerais savoir qui c'est, ça me perturbe. Désolé, j'arrête de parler parce que... Ok, c'est des stalkers de base. Mais ça donne envie d'aller retourner là-bas, les revendre, mais on va pas faire ça. On fera ça plus tard. Je ne tiens pas à vous apposer ça. Ouh, regardez-moi quel point c'est rapide cette saleté. Il y a une vague de mutants qui sont arrivés. Je peux plus marcher là, j'ai plus d'endurance. Pourquoi il me dit que j'ai perdu de la vie. Ah si, c'est parce que j'ai soif. Bon, on va manger un petit coup. Hop, le tuchonka. Miam, miam, miam. Ça a l'air d'être un petit peu excité ici dans la zone. Hein. Hop, je bois un petit peu le reste de cette gourde là. Alors c'est dommage, mais dans Escape from Pripyat, dans la version 3.5 qui date un petit peu, on pouvait comme ça cuire sa viande directement au niveau des feux de camp et on pouvait aussi remplir ses gourdes quand elles étaient vides dans l'eau. Il fallait juste la purifier pour éviter justement qu'elle ne vous contamine. Bonjour, je ne fais que passer, je vais juste déposer quelques trucs là-bas. Tant que j'y suis, voilà, comme ça, je gagne un petit peu de place. Ça dégage. La fléchette, ouais, bon. Allez, je garde tout ça. Est-ce que toi, tu vois de nouveau des trucs? Pour toi aussi, je pense que t'as reçu du ravitaillement. Oh bah là, c'est encore plus cher. Ouais, il a reçu du ravitaillement pile poil alors que je venais d'acheter ça. Plus de mumu. Plus de mumu, voilà, toujours plus de mumu. Limite, c'est les balles, c'est plus précieux que les roubles ici dans la zone. Pas non plus au point d'être comme dans Métro 2033 où ça sert d'argent. Bon, quand même pas, mais la survie prime sur le reste. Alors, ici, on savait qu'il y avait de la radiation. Alors là, il y a des zombies, ça nous aurait presque envie d'aller les chercher. Pour avoir les mains pour le mec. Allez, je vais chasser du zombie. J'irai lui ramener les mains plus tard, mais... Ah bah c'est plus efficace que la dernière fois. Oh là, quel plaisir cette arme. C'est... Franchement, sans exagérer, ça peut paraître bête, hein, mais c'est mon arme préférée dans les films. C'est ce fusil à double tir. Je sais pas pourquoi, mais le fait de le voir comme ça retirer la balle... comme ceci par exemple, et la remettre. Et comme il gère en plus le doigt et compagnie, franchement il y a vraiment un souci du détail par rapport à cette arme. Je l'apprécie beaucoup. Il y en a encore là-bas. Alors on récupère tout. Avec un peu de chance, on va peut-être même pouvoir trouver des trousses à soins et compagnie dans leur corps. Non, par contre au niveau main, on est bien. Alors attention à ne pas être trop imprudent, il peut y avoir autre chose que des zombies dans le coin. Et toi, je vais t'avoir. Voilà, parfait. Voilà, y a un mec qui court là. Oh non, ça c'est quoi? C'est des saloperies de nains. Je t'ai séché. Al Nabo. Oh là là, qu'il est généreux, hein, Steam Pack. Carlic, ok. Ça c'est rare d'en croiser. Hein. Alors peut-être pas sur ce mode pack, mais d'habitude ça c'est pas fréquent. Ok, ok, ok. Bon, alors je sais pas si là il y a un passage ou pas. Non, il est là-bas. Hein. On va passer par là. Possiblement il y a de nouveau des bandits là, donc on va devoir faire attention.
Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, on a l'FMJ. Voilà. On se prépare à battre quelques criminels possiblement. J'espère ne pas mourir avant la papa sève. Ok, ça a l'air d'être tranquille. Allez, on y va. Bon, là, au moins, j'aurai une sauvegarde automatique quand je change de zone. Donc, tant mieux. Je suis étonné que les bandits n'aient pas enlevé d'un groupe de gardes pour retenir la position. Possiblement, là, je vais tomber nez à nez avec un groupe de bandits. J'ai l'impression que sur ce mode pack, la zone prend beaucoup plus son temps pour s'étendre. Il y a moins de stalker. Ah non, 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 non. Ouf, 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 ouf. Sa gueule à droite, c'est sans doute des bandits. Charge, je pense pas que tu l'as eu. Voilà. Non, je crois que je l'entends encore, il doit être quelque part par là. Y'a quoi là? C'est hors zone là, non? Ce serait ici? Attends, attends, avant de venir. Hein. Attends que j'ai rechargé. Sois gentil. Merci. Ok, je crois que c'est bon. Par contre, je suis repéré. On va pas s'attarder dans la zone. On va éviter de marcher où il faut pas. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir fait échouer l'attaque du pseudo-chien. J'aurais encore becqueté les jambes, j'aurais encore été bien emmerdé pour avancer. Bon alors les tirs peuvent venir d'ici. Hein. C'est peut-être pas non plus forcément juste tout au bout. On va donc rester très très attentif à ce qui se passe, je n'allumerai pas la musique donc. Oh non. Oh non, non, monsieur. Ah, je t'ai eu. C'est ici que ça tire, je crois. Ouais, c'est bien là. Vous pouvez voir qu'il lui manque les pattes que j'ai coupées. Non, il est pas mort. Oh, oh purée, mais salaud, mais... Non mais ma jambe, c'est une blague. Oh, j'ai perdu du sang. Alors je sais pas qui lui tirait dessus, si c'était un stalker ou un bandit, on va faire très attention. On charge. Ça promet là la vie, je sais pas si j'en aurai assez pour faire la mission de la prairie. Ah, c'est un stalker. Non. C'est pas vrai. Bon bah y a un stalker qui va se faire tuer. J'ai perdu sang encore. Oh
Oh non, mais, ah non, je suis désolé, hein, mais ça commence à me taper sur le système. J'en ai marre. Je recharge. Parce que là, je viens de claquer un medikit, je viens de claquer un bandage et je fais 2 mètres et ça recommence. Ça me saoule et puis j'ai encore la jambe qui est pétée donc je peux pas courir. Pour la vidéo YouTube, c'est pas agréable. Donc je recommence et j'essaie de faire plus attention. Attention. Mais regardez ça, mais. Oh, le jeu me gonfle là. Avec leur saut, c'est tout ou rien. Je recharge. Je suis désolé, mais ça me saoule. On va recharger en boucle. Je suis pas là pour faire le tryharder. J'ai pas les moyens pour. Là, j'ai encore du sang, donc je vais sans doute me prendre encore un dégât. Il faudra que je sois encore en bandage. Un bandage qui coûte l'équivalent de quasiment. Les soins coûtent plus cher que les missions. Donc, résultat, on est complètement bloqué. Et ils meurent pas, hein. Ils sont tranquilles dans leur coin. Ils se prennent des tirs de chevrotine à bout portant, ils s'en foutent complètement. Ouais, oui, vas-y. Vas-y, allez, vas-y. Ouais, c'est n'importe quoi. Et j'ai changé un truc parce que clairement, sprinter avec X, j'en peux plus. Ça me désole, mais je dois virer ça, je dois mettre ça sur match parce que c'est pas possible. J'ai pas l'habitude et à chaque fois je me trompe de touche. Donc là ça va pas aller. Donc hop. Tom sprinter où c'est? Ouais, ça dégage. Et marcher ramper, si tu veux tu mets ça sur X, mais je ne veux pas que ce soit. Bah regarde, il veut pas mourir hein. Et il s'est pris quasiment tout dans la tronche, lui. Son collègue, il était quand même plus raisonnable la première fois. Et c'est maintenant que j'ai changé la touche, j'appuie sur X. C'est toujours comme ça. Ok, alors moi... Il reste le blanc. Ce serait quand même sympa que la Papa Sève ne se réinitialise pas à chaque fois qu'on change de zone parce que c'est très très chiant. Voilà, j'aurais pas dû faire ça si jamais je pouvais sauvegarder comme je veux. Bien. Parfait. Bon, on repart vers là, on sait que là. Il y a des fichus sangliers qui maltraitent un pauvre stalker. Ah. Ils sont plusieurs. Est-ce que c'est toujours des stalkers ou est-ce que ce sont des bandits? C'est des bandits. Ça pue la même chose. Non, c'est des bandits. Et il est en armure lourde, c'est-à-dire que c'est un bandit vétéran. T'as quoi comme munitions là? 4 AP. Allez, va prendre les 4 AP. 4 tirs. 4 tirs, c'est pas beaucoup. 8 minutes avant de pouvoir sauvegarder. Oh, tu me gonfles le jeu. Ah! Est-ce qu'il m'aurait repéré? On prend ça parce que s'ils viennent te chercher, ce sera plus efficace avec un. Ouf, il est là. 30 secondes avant de pouvoir sauvegarder. Je me planque, hein. Je veux sauvegarder, j'en ai marre de. J'ai pas envie de me battre contre les pseudo-chiens là. Non, je suis bloqué! Ça perce pas son armure de malade. Oh là là, la blague. Oh que c'est chiant, je vous jure.
Oh non, il faut recommencer, mais j'en ai marre, mais laissez-moi sauvegarder un petit peu. Et c'est pas Dark Souls non plus, c'est débile leur système là. Ça, je crois que surtout que je vais dégager aussi parce que c'est pas possible. Donc, on va bug pour cliquer et tirer. Bon, je recharge parce que j'aurais tiré si jamais ça buguait pas. Je pense qu'en plus, vous avez entendu le clic parce que la souris va fort et vous avez vu que ça n'a pas tiré. Oh là 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 là. Bon, dernière chance. Et si jamais ça va pas, j'arrête la vidéo là. Parce que là, ça me saoule. C'est vraiment pénible. Ok. Oh. Oh. Oh, le glitch. Oh, le fichu glitch. Raté. Oh non, mais... Mais le jeu m'en veut, hein. Voilà le mercenaire qui me poursuit, là. Il y a une prime sur... Oh non, mais le jeu qui se fout de ma tronche. Mais d'où il sort, lui? Mais on aurait dû le voir depuis le début s'il était là. Il va apparaître comme ça. Ah ouais, ouais, d'accord. Eh, mais je vais taper un sprint, hein. Je vais dégager de cette zone. Elle est maudite. Ah non, mais je trouve au moins une solution pour éliminer les pseudo-chiens sans trop de problèmes. Voilà qui me sort une... Il me sort un mercenaire qui sort de nulle part. Bon, au moins ça, j'ai trouvé comment monter sur ce rocher, ça c'est parfait. Eh, j'ai peur, hein. J'ai peur qu'il me retombe dessus. Elle vient ici avec les barres. Viens dire bonjour. Allez, allez, approche-toi. Voilà, parfait. Ah ouais, il est pas là. Hein. Le truc nous fait, le jeu nous fait des trucs aléatoires, mais totalement quoi. Bon. Là, y a rien. Bon, alors il semblerait qu'à chaque rechargement, les choses soient différentes. Donc là, au départ, c'était des stalkers, maintenant c'est devenu des bandits. Et la troisième fois, ici, il y avait un mercenaire qui arrivait. Qu'est-ce que ce sera cette fois-ci? Je me pose la question. Et vous avez pu voir quand même que mon flag est bien contre les mutants, mais contre les stalkers, c'est pas possible. Le prochain objectif, c'est de se procurer une meilleure arme contre d'autres stalkers. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais allumer le feu là. Je vais en profiter pour prendre un petit peu de vie. Voilà. Et je pense que je vais vous laisser là ici pour la vidéo, comme ça fait une heure, ça reste le temps réglementaire de ce que j'ai l'habitude de faire justement dans cette aventure. Et donc, bah, malheureusement, ce sera l'épisode d'après qu'on va pouvoir checker comme ça. Ce que je tease quand même depuis le début de l'aventure, cette mission dans la prairie que je n'ai pas fait et que le jeu m'empêche de faire. Tant il y a des choses à faire partout. Bref, je vais vous laisser... N'hésitez pas à soutenir la chaîne, hein, petit pouce bleu, commentaire et compagnie. Et n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil aux autres vidéos sur la chaîne et sur la série Stalker, si ce n'est pas déjà fait, pour voir les tenants et aboutissants de mes débuts sur le jeu, qui ont été, ma foi, assez houleux. Bien, je vous dis à la prochaine. Tchuss!